Tu sais quel jour on est? Jeudi. Oui, mais jeudi combien? Le 14. Exactement, et le 14, c'est quoi? La Saint-Valentin, la fête des amoureux. Mais alors, Richard devrait... Et oui, et Tristan aussi, il devrait. Voyons voir ce qu'en dit mon horoscope. Aujourd'hui, votre prince charmant va vous déclarer sa flamme. Une carte de la Saint-Valentin. C'est Tristan, comme dans l'horoscope. Fais voir. C'est peut-être pour moi d'abord. Mais non, donne. Allez, mais c'est Tristan, c'est sûr. T'en sais rien, moi j'ai dit que c'est une invitation de Richard. C'est Tristan, c'est Richard. Oh, t'as gagné. Ouvre-la. Les Boucheries Gérard souhaitent une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux de la bonne viande. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Alors, pour combler madame, promotion spéciale sur les fers à repasser. Je déteste la Saint-Valentin. Numéro spécial Saint-Valentin, la liste exclusive des restaurants les plus romantiques, des idées séduction, des conseils pour passer une soirée 100% passion. Précipitez-vous aux galeries Lariette, moins 30% sur les lits doubles en forme de cœur. Bouquet pour votre petit piquet. Oui, mais dites-lui avec du boudin. Un fromage de chèvre, la meilleure façon de dire je t'aime. Un dîner en amoureux, faites-lui du hareng, le poisson de l'amour. Ben quoi? T'en fais une drôle de tête. Ouais. Ah, Tristan, t'as rien offert pour la Saint-Valentin, c'est ça? Tu sais quoi? Je m'en fiche. Ça veut rien dire, cette fête. C'est qu'un truc commercial débile pour vendre n'importe quoi à des gogos. Ok, du calme. Je t'ai rien fait, moi. Je suis même fière que Tristan m'ait rien offert. Tu m'entends? Au moins, il se démarque de toute cette foule de pigeons stupides qui ne pensent qu'à recoller. Lou, salut. Je voulais t'inviter pour... Enfin, tout est marqué dedans. Bon ben, à plus, hein. Qu'est-ce que tu disais à propos de la foule de pigeons? Rien, rien du tout. Tout va bien. Il est beau, moi, rendre les frais. Si vous êtes romantique, offrez-lui du camembert. Le fruit de la passion concentrée, la boisson de l'amour. Eh, devine quoi? J'ai une carte de la Saint-Valentin. Moi aussi. Ça vaut bien une petite danse de la joie. Ça rend bête quand même. Oui, mais c'est bon. Oh. Tiens, salut. Salut. Toi aussi, t'es ici pour... pour la... Pour la... oui, c'est ça, comme toi. Salut. Salut. Merci. Tu préfères voir quoi comme film? Les amoureux du pont des soupirs ou l'invasion des cannibales? On y va? J'ai réservé pour 8 heures chez Maxwell. Le resto super chicos? Comment t'as fait? Il paraît qu'il faut s'y prendre 2 mois à l'avance pour avoir une table. J'ai réussi à nous glisser entre 2 réservations. Bon, on n'aura que 20 minutes pour dîner. Mais si on saute l'apéro, l'entrée et le dessert, c'est jouable. Alors je me dépêche. Je sauvegarde ma partie et c'est bon. Waouh! Mais c'est Soul Fighter 4 Extreme Combat! Ouais! 2 heures de queue pour l'acheter à sa sortie hier. Je peux en faire une? Bien sûr, je te montre. Bon, mais alors, vite fait. Tu vas voir, les arènes sont trop bien. Et le monstre de fin est carrément dément. D'abord, choisis ton perso. Elle, Antea la guerrière. Et moi, Méga Troll et ses 9 Nunchaku. Je vais te refaire le portrait, vipère. C'est moi qui vais t'écraser, chacal. Le restaurant m'a prévenu, si on n'y est pas à 8 heures pile, notre réservation va sauter. Pour qu'ils se prennent, ces snobs? Ils peuvent se la garder, leur table. On n'a qu'à commander chez Gino, hein? Mais... Ouais, super idée. Une 4 fromages pour moi. Et le film? Pas grave, on ira à la séance de 10 heures.
quatre pizzas. Bene, Richard. Mais il faudra attendre un peu. J'ai molto clienti ce soir. Et pend dans la tête, espèce de grosse larve. Et toi, prends ça dans les dents, vieille rosse. Y'en a marre. Y a pas de raison qu'il s'éclate. Et pas nous. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que t'aimerais faire? Ah, tu fais moins le malin sans ta tête. Si on allait au calme chez moi, on trouvera bien un truc sympa à faire tous les deux. Bon, ben Richard et moi, on s'en va. On va chez lui. On va faire des tas de trucs hyper fun ensemble. Pas de problème, amusez-vous bien. Yeah. Des combo low kick et okizem. Ici, il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée. Oh, ça recommence. L'ancien nous refait un tapage nocturne avec ses casseroles en cuivre. Mais pas du tout, c'est Paul Simpson Project, live à Minneapolis 1971, un collector, le roi de l'acide jazz expérimental. Effectivement, c'est acide. Tu préfères que je te lise les poèmes de ma thèse? Ah ouais, super, j'adore la poésie, surtout les surréalistes. Eh bien moi, ma thèse, elle porte sur les poèmes italiens du Moyen-Âge. C'est encore mieux. Ô tomate, toi, coulant flot sur la dorée peau du lapin par la flamme du jovial feu léché. Ça veut dire quoi? Ça parle de l'amour fou du poète pour le lapin sauce tomate. La traduction est de moi. C'était pas facile, tu sais. Forcément, l'italien médiéval. J'en étais où? Non, attends. Finalement, je suis pas d'humeur très poétique ce soir. Dis, t'aimes la mode? Moi, c'est carrément mon truc. Et si je te relookais, hein? Un look super cool made in Lou, ça te dit? Oui, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est nous. On revient pour... Prends-en de la graine. Look slammer néo-romantique, pourquoi pas. Ou plutôt motard trash, j'hésite. Commençons par enlever ta peau de mouton mort. Pas question. Je ne me sépare jamais de mon gilet fétiche. Bah pourtant ce serait pas plus mal. Pourquoi? Parce qu'il est... comment dire ça avec tact? Moche quoi. Sache que ce gilet est la marque de mon individualité et de ma liberté personnelle. Ok, désolé. Bon, je crois qu'il faut trouver autre chose comme activité. Les pizzas sont prêtes. Ah, vous voilà, Gino vient d'appeler. Ça vous dit d'aller chercher les pizzas? Ça vous occupera? Ce qui était censé m'occuper, c'est un dîner aux chandelles chez Maxwell. Un dîner quoi? Où ça? Hein? Trop, c'est trop. Très bien, je descends chez Gino. Mais pas pour chercher les pizzas, pour les manger tranquille. C'est gentil, à tout de suite. N'oublie pas les sachets d'huile piquante. Vous êtes vraiment trop nuls tous les deux. Tu veux rire? On assure grave. On est déjà au niveau 5 de la tour des enfers. Joyeuse San Valentino, je vais chercher vos pizzas. Pas la peine, on dîne sur place. Et Tristan et Mia Poupa. On ne veut plus entendre parler d'eux de la soirée. Ma bene, si vous voulez me suivre. Je t'aime. Moi aussi. Ma colombe. Mon trésor. Cette pizza au hareng est délicieuse. C'est le poisson de l'amour, tu le savais pas. Tu sais que nous avons un point commun, tous les deux. Ah oui, lequel? On a eu le chic pour tomber amoureux de deux gros égoïstes. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu m'aies pardonné. Moi aussi. Finalement, c'est ça l'amour. S'accepter comme on est, avec nos qualités et nos défauts. On a peut-être été dur avec eux. Après tout, qu'ils jouent à leur jeu idiot, c'est pas si grave. Peut-être. Si ça se trouve, ils s'en veulent maintenant. Ils en mettent du temps pour les pizzas. De qui? Lou et Richard. Quoi? Mais de qui tu parles? De Lou et Richard. Votre fille et votre copain, quoi. Ah, yeah! Méga troll, vainqueur par KO. C'était exprès pour m'avoir. C'est vraiment cheap comme coup. Gna 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 gna, à la guerre comme à la guerre. Eh, les gamers, pause. On apporte les pizzas. Enfin, on va pouvoir passer du temps ensemble. Oh, l'autre! Eh, j'y crois pas, quel mauvais joueur! À nous les pizzas! Tu m'as pris une calzone. Mais c'est même plus chaud. On peut pas compter sur vous, hein.
Non, on ne peut pas. Mais... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? T'as fichu en l'air la Saint-Valentin. Voilà ce que t'as fait. Je suis désolée, Louloute. Vraiment, j'ai été... minable. Ouais. Tu sais quoi? On a qu'à remettre ça à demain. Quoi, jouer à Soul Fighter 4 Extrême Combat? Non, la soirée en amoureux. Je réserve tout de suite chez Maxwell. Toi, tu appelles Tristan. Te donne pas tous mal. Demain, c'est la Saint-Claude. La prochaine Saint-Valentin, c'est dans un an, ok? Pour moi, c'est officiel. Je déteste cette fête. Bonne nuit. Bah, ok. Bonne nuit, alors.